Bonjour à tous, c'est MaxiCamFR et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Belgique profonde. Et je suis avec Johan, salut! Et salut! Et aussi avec GG, salut pour la première fois! Salut! Ouais, pour la première fois, bien content! Donc, c'est avec plaisir quand même qu'on l'accueille. Bah, c'est bien ah, ça. Ah ouais, hein. Moi aussi, ça me fait bien plaisir. Et donc ça va renouveler un petit peu l'équipe. Là bon, voilà. Je peux descendre derrière l'Opton, j'arrive. Comme ça on va aller vider. Donc je viens de me taper touchant 32 en hors vidéo, hein, je vous ai épargné le bazar. On se refera une moisson dans un autre épisode. C'est prévu. Peut-être du colza, tiens, j'en fais pas souvent en vidéo. Oh, on sera peut-être un colza, on verra. Ça dépend de ce que j'aurai envie de faire. Avec le C15, laisse-le dans là. Je décalerai tout à l'heure. Prends la presse et puis tu peux aller démarrer un pressé. Tiens, tu vas derrière l'Optum là avec le Puma et puis on va aller. À qui tu parles? Tout de suite. À qui tu parles? Moi je dois aller à la presse. Toi, voilà, tu vas à la presse. Et nous, pour l'instant, on va vider les bennes. Il a pris il a pris quoi? Allez, c'est parti. On y va. T'as vu ce qu'il y a devant ta presse? Un Fend. Voilà. Et tu m'as pris une case, tu pouvais pas prendre une Neyland. Bah quand même, faut pas pousser trop loin. Déjà, vu ce que je t'ai mis devant, bon je considère déjà pas ça comme un tracteur. Oh 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 oh. Oh, non, attention, je rigole. Hein, je rigole. Hop, donc nous on va aller vider les bennes à la maison, comme ça va être nickel. Et bien il roule ce petit hôtel. C'est nickel ça, pourtant il y a 37 tonnes derrière. C'est pour vous dire. Par contre au volant, c'est clair, un peu chaud dans les virages. Donc en hors vidéo, j'ai fini de semer les betteraves, j'ai passé le rouleau dessus aussi. Pour une fois, il a travaillé. J'ai traité le blé, le colza, j'ai mis de l'engrais sur le colza. Enfin bref, j'ai fait ça tout impeccable. Alors, hop. On va aller vider ça par là. Et puis après, on laissera les bennes dans la cour, je pense. Ah ben non, ok, je te suis. Alors, moi, il faut que je trouve le bon silo. Ah bah nickel, c'est celui-là. Hop, comme ça, on va aller là. Monsieur Camille, mets la radio, il y a les infos. Ah bon? Ouais, mets la radio. Info News, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi la série elle est pas encore démarrée. Pourquoi Vindal est pas démarrée, voilà, on va vous expliquer, on n'y peut absolument rien pour une fois, c'est pas de notre faute que ce soit en retard. Pour une fois qu'on était prêt à faire une série à l'heure, normalement on aurait déjà dû vous publier même le premier épisode. Voire peut-être même le deuxième, mais bon. Voilà. Mais bon. Donc je vais vous expliquer le plus simplement possible. Nous sommes hébergés chez Verigame. Et là du jour au lendemain, on ne peut plus se connecter à la partie. C'est bizarre. Ben, en fait, sur le serveur, le bug général, ça nous a bouffé les fichiers de la sauvegarde. Ce qui fait que Bindleback is back. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a été obligé de reprendre de zéro, et j'en ai profité pour modifier quelques erreurs de modding que j'avais fait sur la map. Donc, on a un peu de retard, mais ça va arriver. Donc, le serveur ne voulait même pas reconnaître les sauvegardes antérieures et tout ça. Donc, on était obligé de tout reprendre à zéro. Franchement, c'est rare qu'on commence des séries en temps et en heure. Celle-là, on était prêt. On était prêt, on avait chié, on avait briefé, on avait fait une bonne partie des scripts, enfin on avait de quoi tourner le premier, c'était tout calculé, tout impeccable.
On avait fait les stocks dans les fermes, mis le matos parfaitement où il faut et tout. Et là, bah, le jour avant de tourner le premier épisode, le serveur nous lâche. Voilà. Bah attends, avance-toi à côté de l'Optum avec le Puma. Ouais. Je vais la dételer et puis bah, après on va retourner avec le Puma au champ. Ok. Voilà. Attends, je vais monter de l'autre côté. Il a travaillé le Fend quoi. Allez, vas-y. Oui, il a pas mal bossé. Ouais. Bah, j'ai fait du labour avec en hors vidéo. Ah oui, aussi, j'ai labouré le champ de maïs qu'on a fait l'autre fois. Je sais plus si je l'ai fait en vidéo ou pas, l'ensilage de maïs, lui, je crois. Oui, oui. Il me semble. Donc, j'ai labouré les deux parcelles. Eh mais il y a de la pente ou quoi? Parce qu'il en chie sa race le compte de Fenn. Oui, il y a de la pente à certains endroits. Oui. Ah ouais, mais je suis plus au plancher, je suis dans la merde. Je ferais presque même marche arrière. Hmm. Bah, je fais marche arrière, parce que j'avance plus. Attends, je me suis trompé de route. Ouais. Oh bordel, ça y est, GG, faut le JUPS, parce que sinon on va être dans la merde. Sans le GPS, ça va plus. Oh là. Oh, les murs. Ouais. On va être obligé d'appeler l'épaule du Gèche après. C'est clair, je vais être coincé pour bon après. Bon, oh, y'a pas que des Portugais qui sont maçons quand même. Non, je rigole. Là, il y en a beaucoup de sable ici, il y en a beaucoup de l'eau. À la vie, on se casse avant qu'il ramène le ciment. Il va nous faire travailler. Donc, j'y vais peut-être vous lire un petit peu des commentaires après, enfin, on verra après. Oula! D'abord, on va emmener l'Axial au prochain chantier. Tiens, avance un peu avec le Puma pour pas me gêner avec l'Axial. Ok. Voilà, voilà, c'est bon. C'est voilà, bon. Monsieur! Nickel, merci. Je vous en prie. Donc, du coup, bah, Johan, toi, tu vas pouvoir prendre le C15. Attends, je galère. Je fais de la marche arrière en marchant. Et puis GG, tu vas pouvoir prendre l'Ursus. C'est bon. Puis tu vas me suivre après. Bon, je recule dans la haie, on n'a rien vu. Faut pas le dire. Sur Bindle, je ne dirai rien. Profite. Sinon le chef, il va gueuler. Pourquoi j'ai un tracteur qui continue à avancer même avec le frein à main? C'est une bonne question. Ah. Parce que t'as un Fendt. Non, c'est parce qu'on pompe ma connexion. Hey, peut-être t'as fait les vitres au C15 ou quoi? Ouais, tiens. Non, parce que mon pauvre, dis donc, ça brille là-dedans, hein. Hop. Bah... Vas-y, tu peux passer devant avec le C15, puis je te suis. Direction... champ 11. Attends, je mets le JUPS. Tu mets le JUPS dans le C15. Même bah attends, qu'est-ce que tu cigare. Mais si, j'ai bidouillé, j'ai coupé les fils. Ah d'accord. T'as pas vu les trois fils direct à la batterie. T'as pas vu les trois fils qui pendouillaient sous le tableau de bord? Oh merde, il doit plus être rémis. Mais... Et ça tourne pas. Ça tourne pas dans le filage. Allez, c'est parti. Tu roules à combien toi? 22. Oh, j'y vais te rentrer dedans. C'est fait. Tu attends, j'ai un problème, j'ai la vitesse, ça passe pas. Ah, ça y est. Oh bah, allez, la vitesse. Accélère cousin, ouais, c'est les crabeaux, ils ont un problème. Bah, les crabeaux. Il y a des crapauds.
Et en plus t'es chargé derrière. Ah ouais, y'a la cuve de 100 litres de gasoil et tout. Le chalumeau pour découper la machine au milieu du champ. Ah tiens. Pour foutre le feu aussi. On va se mettre dans le bout de GHR. Enfin dans le bout de champ gauche là. Bah en même temps t'as la place au bout, c'est fait exprès. Alors on va se mettre là, puis on va le laisser là pour l'instant, et je vais venir à la paille. Tu vas faire de la paille avec Oumfend ? Avec Oumfend ! Et puis après on va arrêter là. Pour aujourd'hui. Bon. On peut pas... Non, on peut pas monter dans le... Dans le C15 à 2, je crois pas. Si ? Si ? Bon bah vas-y monte. Vas-y. Non. Ça se déplace tout seul ça. De quoi? Non je sais pas, j'ai mon truc qui bug. Ça se déplace tout seul. Quand tu t'approches du véhicule, tu fais un bond en arrière? Ouais. Ouais mais c'est un bug du serveur ou du jeu ou j'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais à pisser au pied de l'arbre là-bas? Bon il est où l'Ifent? Il est au milieu du champ. Au milieu du champ. Oh GG, viens voir si on peut monter dans le C15 à 2. Je sais même plus. Y'a pas eux. C'est bon, je suis là. Et ben voilà, ça y est, allez hop, on est parti, on va C15 là. À fond mon pauvre. Avec oh, quelques lags. J'avais pas vu comme t'étais blanc. Tu savais pas? Non non. C'est ma petite touche Stevie. Ouais. Attends, bouge pas. Salut mon mignon. Allez, viens. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à conduire une moissonneuse quasi-H. Ouais, je vais mais venir, surtout. Mais je peux pas conduire, on est en train de pomper ma connexion internet. Et j'ai des gros lags, on va dire. J'essaye de conduire quelqu'un. Comme je... Bon, regardez bien ça, parce que moi, conduire un Fendt ou un Massé, en principe, c'est pas courant. Ah, oh, j'aimerais tourner. Mais bon, on va dire que je suis un peu moins raciste. Mais oui, ça y est, tu fais des efforts. Je fais des efforts. Oh là là. Parce qu'il y a un an ou deux, j'aurais jamais fait ça. Y'a que les cons qui changent pas d'avis. On va aller voir Monsieur Kamech. Même en vrai, j'ai pas que du cas. J'en ai, oui, c'est normal. J'ai pas que ça. J'arrive même pas à connaître. Et puis on va pouvoir arrêter là, tranquillement. Hop, tiens, je vais redescendre par là-bas, je traîne plus après. T'as vu, les vitres sont propres un peu du C15, ça brille de partout. Ah, c'est clair, on se voit dedans. On voit même la forêt et tout à travers. Ah ouais. Ouais, vas-y, un peu de cross-car avec le C15. Bon, ça a l'air de faire la botte en tout cas. On va s'amuser à ramasser tout ça. Ouais, à tout à l'heure, hein, on va prendre les petits chemins debout pour aller taper du cross. Il a les salissures au moins le C15? Je ne sais rien. En tout cas, s'il les a, il va pas rester blanc longtemps. Je suis keblo là, j'avance plus. Pourquoi je fais du surplace? Vous êtes dans la barrière. Ouais, mais pour le moment, moi je suis encore au milieu du champ. Ah. Où est-ce que vous êtes? Moi je suis contre une barrière. Bon, moi je suis toujours au même endroit. Je suis descendu du C15, je suis toujours au même endroit. Attends. Je suis en 13 là-haut. Ouh, mais moi je suis bloqué. J'ai un gros bug là. Ah, bah non, oui, d'accord, il est dans une barrière de C15.
D'accord. Vas-y, je me barre avec le C15. Ouais, mais vas-y, parce que moi, moi je suis par là, mais où, je sais pas. Je vais voir si je te trouve. Ça y est, moi je me suis trouvé. T'es où? Bon, en fait, je crois que mon jeu il a planté. Ah, je navigue, mais je peux pas avancer avec les véhicules. Non, du coup, on va s'arrêter là. Donc, si l'épisode vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, un petit commentaire aussi, parce qu'on y répond. T'as même pas lu les commentaires. Non, je les ai pas lus aujourd'hui. Je dirai la prochaine fois. Tu pourrais quand même. Prochaine fois. Oh. Là, c'est pas mal les silos, j'avais jamais été par là. En haut là-bas. Ouais. Hop. Donc on va s'arrêter là. Prochaine vidéo bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Et on vous dit à bientôt. Allez, salut tout le monde. Salut, salut, salut.